Salut. Salut. Bon, ben, j'espère que vous allez tous bien. Bon, on a fait une petite pause pendant 2 jours, 3 jours, une petite pause famille en fait. Hein. On a eu beaucoup de mal à se remettre du décalage horaire. Et puis ben, après, il y a eu ben, voilà, hein, les retrouvailles, tout ça. On a et la bouffe profiter. Et l'apéro. Et la bouffe et l'apéro. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas été très présents ces derniers temps. Mais voilà, on est de retour. Nous voilà. Donc là, on est parti faire un peu de shopping. Ça va être rapide. Hein. Il nous manque quelques trucs urgents. Des vêtements par exemple. C'est ça. Donc voilà, et puis bon, on en profite parce qu'en fait on peut laisser les filles, on va pas se mentir, ça fait quand même du bien. On part qu'à deux, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis demain, demain on a une petite activité surprise pour les filles. Donc on aura un petit peu de route hein, parce que là actuellement nous sommes en Creuse vers la souterraine pour ceux qui connaissent. Je passe. Oups. Et donc, on va faire une activité qui a combien? 2h30? Il faut 2h30 de route. Ouais, 2h30 de route. Il y a un peu de route alors qu'il y a que 150 km. Mais ben, c'est la campagne. Hein. C'est de la départementale. Voilà, il n'y a pas de la route, de la grosse autoroute quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est les vacances, hein, pas tout. Ouais. Donc voilà, ce sera la surprise demain. Donc vous verrez ça très bientôt. Là pour l'instant, ben, moi je vais vous laisser. On va faire la route tranquillement. On va à Stokomani. Et puis on va à Kiabi. Parce que c'est les soldes. Et puis ben, moi j'ai besoin de me rhabiller parce que tout. Il n'y a plus rien du tout. Parce que Nicaragua, je ne trouvais pas. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Salut tout le monde! Bon, alors aujourd'hui, nous faisons la surprise aux filles. Ben vous allez voir, en fait, je ne vais pas vous le dire, je vais vous montrer un petit peu la route. On avait ce matin, on a 2 heures de route. Donc, on traverse la campagne de la France, du centre de la France. Et puis, ben, je ne vous en dis pas plus, hein, c'est la surprise. Donc, hier, en fait, on a fait le shopping le matin, comme vous avez vu. Et puis voilà. Après, on n'a rien fait l'après-midi. En fait, il fait super chaud. Bon, alors, nous, ça va, on arrive à peu près à gérer. Mais du coup, on est resté enfermé avec toute la famille. Et puis, bah, aujourd'hui, alors, je suis désolée. Hein. Je sais pas pourquoi, le téléphone, là, il ne veut pas rester horizontal. Donc, ça bouge un peu. Mais voilà. Hop, regardez. Et voilà. Il fait chaud. Oh, il fait 29 degrés. Allez, je vais vous montrer où est-ce qu'on va. Thank you.
on est où? On est au parc Volcan. Vulcania. Et donc vous allez voir quoi? Des choses de volcan. Normalement, oui. Normalement. T'es contente? Oui, très contente. Et toi, Maora? Coucou. Ça sent bon la rose? Vas-y, fais le reste. Ça, c'est le sapin.
Et alors là, c'est quoi? C'est vrai? Alors je vais sortir. Salut. Bon, on va vous expliquer où on est. Vous avez dû le voir de toute façon dans les premières images. Alors, nous sommes à Vulcania, dans l'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Et en fait, on souhaitait vraiment compléter les demandes qu'avaient les petites sur la vie que nous avons eue au Costa Rica et au Nicaragua sur comment se forment les volcans, comment ça se passe, etc. Donc, quel centre était le plus adapté que celui-là? Tout simplement Vulcania. En plus, on n'était pas loin, parce qu'on a eu. Bon, on a mis 2 heures ce matin, mais. Non, 2 heures et demie, mais voilà, on a pris notre temps, on s'est arrêté pour nos pique-niques, donc. On était quand même assez proche, donc c'était l'occasion jamais, en fait, de le faire. Et ben, c'est super sympa. Ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Ça parle de tout, ça parle des volcans, mais ça parle de la planète Terre en général. Et du coup. Et là, on en a une. Qui est curieuse. Bon, je continue tout seul. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Je vous ai déjà montré quelques images. Alors on n'a pas le droit de filmer là où il y a des animations. Bon, c'est pas trop gênant. De toute façon, moi, il y en a une, j'ai pas profité, c'est génial. On est dans des nacelles et vous avez un film sur super grand écran, pas 360 degrés, mais très grand. Et en fait, on survole tous les plateaux d'Auvergne, tout ça, c'était super joli. Donc là, je vous montre un petit peu le centre, comment c'est, et puis nous, on va manger là. Bon bah ça y est, on a fini notre journée à Vulcania. Bon, ça finit par l'orage, alors c'est vraiment l'orage qui tombe à pic, hein, parce que on était sous la canicule là depuis quelques jours. C'est vrai qu'il faisait quand même très très chaud, hein. Et alors, qu'est-ce que t'en as passé? Ah, moi super, jusqu'à la dernière connasse en fait, qui devrait bosser ailleurs en fait que dans le commerce. Donc en fait, on en aura pour la soirée. Et donc oui, en fait l'histoire, c'est que... logiquement, lorsque vous avez des enfants, on vous dit de vous mettre à un endroit spécial, comme ça celui qui a l'enfant qui ne peut pas faire l'activité, il reste et puis il passe en priorité pour après. Et là, bah, la dernière, elle n'a pas voulu, donc voilà. Donc ne pas se fier à ce qu'on dit aux caisses. Puis en plus, elle te dit qu'il faut prévenir avant. Bon, il n'y a personne aujourd'hui, quoi, donc bon, enfin bref. Voilà, donc sinon, bah, ma foi, une petite journée bien sympa. Il y a eu des activités qui étaient... je pensais pas que ce serait aussi actif, on va dire. Il y a eu des bonnes petites activités. Les filles, ça vous a plu? Ouais. Oui. Pour les enfants de 3 ans, c'est un petit peu chaud. Il y a quand même pas mal de choses qu'ils peuvent pas faire. Ouais. Même s'ils mettent des limites, pas d'âge en fait, mais de taille. Donc ça aussi, il faut vraiment méfier vous. Parce que quand on vous dit que c'est pas à partir de 90 cm, ils peuvent.
Et en fait, on rentre, et quand on est déjà dans le truc, on nous dit pas avant 5 ans. Mahara, elle a 3 ans et demi, elle a fait 92, ouais. Enfin, vous avez des petits trucs là sur le devant qui vous permettent de trouver l'âge, et enfin la taille, pardon. Et c'est 90, 110 et 130. Bon, la majorité, c'est au-dessus de 90, donc ça va. Mais il y en a quelques-unes à 110, et donc voilà, c'était plus compliqué pour Mahara. Il faut faire par rapport aux âges, en fait. Il ne faut pas faire par rapport aux tailles, parce que c'est ridicule. Mahara en a eu 2 ou 3 où elle avait largement la taille, et en fait, honnêtement, je comprends qu'elle ait eu peur. Ouais, c'était un peu juste. Ouais. Franchement, faut dire directement l'âge. 5 ans, ouais, je le comprends. Mais, donc, faut quand même s'en méfier. Honnêtement, si vous voulez venir, c'est très bien. Mais méfiez-vous, en fait, de ce que vous lisez, tout ça. Faut déjà. Se méfier de tout. Non, mais franchement, en cas, on vous dit une chose, après, on vous dit autre chose. Et alors, par rapport à ça, quand vous rentrez dans l'activité, demandez avant si ça peut faire peur ou pas par rapport à l'âge des enfants. Alors, après, c'est sûr qu'il y a le caractère des enfants, on est d'accord. Mais quand il disait 5 ans, en fin de compte, c'était vraiment 5 ans. Ouais, à cause de la peur. Ouais. Voilà. Elle a 3 ans et demi, elle avait la taille, mais elle n'avait pas l'âge. Donc voilà, faut se méfier de ça, quoi.